Avete mai sentito parlare di Blackout Challenge? Si tratta di una sfida molto diffusa tra i giovani di età compresa tra i 6 e i 17 anni che consiste nel legarsi qualcosa al collo fino a svenire. Si può fare da soli o in gruppo. Quando lo si fa in gruppo, lo svenimento può essere provocato anche tramite un compagno che comprime la carotide per provocare uno stato di soffocamento. In ogni caso, il suicidio non è mai il fine ultimo, ma può essere un effetto collaterale. Ma perché un giovane dovrebbe voler praticare questo tipo di sfida così pericolosa? Ai giovanissimi appare tutto come un gioco. Un bambino di scuola elementare in principio è davvero convinto di partecipare a un gioco e quindi non lo vede come una minaccia. Lo fa per essere come i suoi compagni e per divertirsi. Un adolescente invece può farlo per provare nuove sensazioni, per spingersi oltre e sperimentare i suoi limiti. È attirato dalle sensazioni di tipo allucinatorio causate dalla mancanza di ossigeno. L'obiettivo del gioco, quindi, è quello di sperimentare una momentanea e volontaria deprivazione d'ossigeno. Può farlo anche come rito di iniziazione, per provare al gruppo di essere forte e coraggioso. Su internet ci sono addirittura dei tutorial che spiegano come provocare uno svenimento per saltare un esame oppure un'interrogazione. Ma in tutto questo si insidia anche il pericolo della dipendenza. Sì, perché prima dello svenimento la mancanza di ossigeno porterebbe a uno stato di euforia, dato in realtà dal rallentamento delle attività cerebrali. E un ragazzino potrebbe volere ricercare quelle sensazioni e questo lo porterebbe a volere ripetere l'esperienza da solo. E ovviamente quando si sperimenta l'ipossia, ovvero la condizione di carenza d'ossigeno, senza nessuno intorno ad aiutare, le conseguenze possono essere tragiche. Paralisi completa o della metà del corpo, sordità, cecità, epilessia e, nei casi più gravi, la morte. In ogni caso, questa pratica può riguardare qualsiasi tipologia di bambino o adolescente e in entrambi i casi non sono mai consapevoli del pericolo in cui incorrono e pensano di avere sempre la situazione sotto controllo. Molti dei decessi avvenuti in Italia, legati probabilmente a questa folle sfida, sono stati archiviati come suicidi. Matteo Viviani si era già occupato della storia di Igor Mai, un 14enne di Milano, morto proprio per il Blackout Challenge. Ma vediamo un po' come si comportano i nostri vicini francesi. In Francia questo gioco viene chiamato le jeu du foulard, il gioco del foulard. Il Ministero dell'Educazione Nazionale ha diffuso un opuscolo ufficiale dal titolo Prévenir les jeux dangereux et les pratiques violentes à l'école, ovvero prevenire i giochi pericolosi e le pratiche violente a scuola, in cui descrive questi giochi, le cause, i segnali d'allerta, quando e come intervenire e a chi chiedere aiuto. Noi siamo andati a incontrare Françoise Cochet, che è presidente dell'associazione APEAS, con sede a Parigi e operativa sul territorio dal 2002, che si occupa di fare campagne di prevenzione dei bambini, docenti, genitori, rettori e di tutto il personale scolastico. Organizzano conferenze per adulti e per bambini, formazioni per il personale e diffondono opuscoli come questi, in cui allertano sui giochi pericolosi e i danni che possono provocare, e opuscoli per i più piccoli, in cui spiegano l'importanza della respirazione e dell'ossigenazione per il corpo umano. È una serie di piccoli quesiti da riempire alla fine per far prendere coscienza di cosa è pericoloso e non può quindi essere associato a un gioco e cosa non lo è. Spesso il confine tra ciò che è ludico e ciò che è pericoloso è veramente sottile e non viene percepito da chi è più giovane. Durante l'intervista ci ha colpito la profonda dignità di questa donna che, oltre ad essere la presidente dell'associazione APEAS, è anche mamma di Nicolà, che ha perso la vita proprio in seguito al Blackout Challenge. Una ferita sempre aperta. Abbiamo percepito un dolore inguaribile che questa mamma cerca di affrontare proprio dedicando tutta la sua vita alla prevenzione dei giochi pericolosi. Una vera guerriera che è riuscita a farsi sentire presso il Ministero dell'Educazione Nazionale e che ha già allertato migliaia di studenti e scuole. Spesso ospite alla radio e alla televisione francese, questa donna insiste sull'importanza della prevenzione, perché quando non si conosce qualcosa non ci si può difendere, non si possono difendere i nostri cari. Oggi però le capita di sentirsi sola e vorrebbe un maggiore supporto da parte delle istituzioni. Ecco alcuni momenti della nostra intervista con Madame Cochet. Oui, premier symptôme commun à toutes ces pratiques d'anoxie, d'asphyxie, d'évanouissement, etc., c'est les maux de tête. Donc généralement, pas tous, mais généralement,
ils ont des violents maux de tête. Il peut y avoir également des douleurs auriculaires, ça vient de l'oreille interne, et les ORL qui ont examiné l'enfant qui avait si mal à l'oreille n'ont pas vu de perturbation particulière de l'oreille. Donc ça, ils le relient à cette pratique, les médecins. Ensuite, il peut y avoir des taches rouges à fleur de peau. Ça provient d'éclatements de micro-vaisseaux sanguins à fleur de peau sous l'effet de la pression sanguine. Cet effet-là, il peut aussi survenir avec simplement de l'apnée excessive. D'ailleurs, quand ils jouent au jeu qu'ils appellent le jeu de la tomate, ils appellent ça le jeu de la tomate parce qu'ils deviennent très vite tout rouges, c'est parce que la tête est en surpression sanguine avec ces pratiques, vous voyez. Ensuite, on peut voir ces mêmes taches rouges dans le blanc de l'œil, parfois. Et puis, un des symptômes aussi qu'ont repéré les ophtalmos, c'est lorsque l'acuité visuelle baisse brutalement en quelques minutes et peut passer par exemple de 10 sur 10 à 1 sur 10, l'acuité visuelle. Ça, c'est dû à un éclatement de petits vaisseaux au fond de l'œil. Vous voyez que c'est pas rien, hein. Ensuite, il peut y avoir des traces plus ou moins visibles sur la peau. Ça dépend aussi de la peau des enfants. Il y en a qui ont la peau qui marque, d'autres qui n'ont pas la peau qui marque. Ça peut être juste un petit rond rouge sur le côté du cou, quand c'est les pouces du copain qui ont appuyé sur le cou, le parté d'autre du cou. Ça peut être des traînées plus ou moins visibles. Ça peut être aussi des traînées autour du torse lorsqu'ils ont fait l'expérience d'évanouissement en serrant très fort au niveau du sternum avec un lien. Il peut y avoir aussi des liens qui traînent un peu partout, à des endroits totalement inhabituels, comme sous le lit, sous le matelas, sous l'oreiller, dans le cartable aussi. Il y a des enfants qui ont été repérés avec des liens totalement inexplicables dans leur cartable, dans le tiroir du bureau. Voilà. Et puis aussi des questions. Des questions qui peuvent tourner autour de ces sujets, des questions à leurs parents. Et les parents, s'ils ignorent l'existence de ça, de ces pratiques, ils ne comprendront absolument pas que leur enfant est concerné. Voilà pourquoi il faut informer les parents. Comme symptôme. Ah oui, les bruits qu'on peut repérer dans la chambre de l'enfant ou de l'adolescent. Ça peut correspondre, et ça a sauvé plusieurs gamins, aux pieds qui cognent la cloison ou la porte lorsqu'il a des convulsions, ces fameuses convulsions. Voilà. Donc attention au bruit dans la chambre de l'enfant. Lorsqu'il est adolescent, le parent ne va pas ouvrir la porte de l'ado. Mais quand l'enfant est petit, le parent va se déplacer, généralement. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Oui. Mon fils, il avait 14 ans et demi quand il en est mort. C'était au mois de septembre. Et au mois d'avril précédent, il m'avait parlé de ça. Alors lui, là je vous parle du jeudi du foulard, hein. Parce qu'après, il y a tous les autres jeux dangereux. Donc, au mois d'avril, il rentre déjeuner entre midi et deux. Et il me dit, tiens, maman, il y a un copain. Donc, il me dit le nom du copain que j'ai oublié. Il me dit, il m'a dit que quand on appuie là, c'est drôle. Je lui dis, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Va donc ranger ta chambre. Je n'ai pas attaché plus d'importance à ça. Quelques semaines après, pas tout de suite, quelques semaines après, je vois justement une trace rouge sur le côté du cou, un peu comme un suçon. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il me dit, mais non, t'inquiète, on a rigolé avec les copains. Bon, j'ai pas insisté. Il avait 14 ans, je me suis dit, c'est une histoire de fille ou peut-être, je sais pas. Et puis après, au mois de juin, fin juin, je rentre dans sa chambre, il y avait un de ses camarades de classe qui était assis à côté de lui et qui avait les doigts autour du cou de mon fils. Même en voyant ça, j'ai pas compris. Parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Donc là encore, ils ont sauté en l'air dès que je suis rentrée en disant « Mais t'inquiète, maman, on sait rien. » Parce que j'ai dit « Mais vous faites, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ensuite, début juillet, je l'ai vu passer comme une flèche dans l'appartement, sortant de sa chambre et sortant de l'appartement. Il était rouge vif. Il est parti en courant, voilà, c'était totalement inhabituel, quoi. Et moi, j'étais au téléphone avec mon mari, et je lui dis, attends, il faut que j'aille voir ce qu'il y a, ce qui arrive, là. Et mon mari me dit, mais laisse-le, il est ado,
laisse-le vivre, c'est pas grave et tout. Ce jour-là, je suis persuadée qu'il l'avait refait tout seul dans sa chambre et qu'il sortait pour reprendre l'air ou je sais pas. Et c'est qu'en fin septembre qu'il l'a refait tout seul dans sa chambre. Un soir, il est parti se coucher plus tôt que d'habitude parce que le lendemain matin, il voulait regarder le résumé des JO de Sydney à l'époque à 6h du matin à la télévision. Donc à 9h, il me dit, je vais me coucher. Je lui dis, ah bon, déjà. Il me dit, oui, voilà, j'ai tout préparé pour demain matin. Je ne vais pas perdre de temps pour préparer mes affaires et tout. Et puis, 5 minutes après, il ressort de sa chambre. Il vient prendre un pantalon dans ma pile de repassage pour ne pas perdre de temps le lendemain matin. Et puis, voilà, à 9h20, entre-temps, j'avais sorti le chien, je me souviens. À 9h20, j'entends un clac dans l'appartement. Je dis, qu'est-ce qui est tombé? Je cherche partout. S'il y a un objet qui tombe dans la salle de bain, dans la cuisine, je ne vois rien d'anormal. Je passe dans le couloir entre les deux chambres de mes deux fils. Je ne vois rien d'anormal. Je n'ouvre pas la porte. Et puis, voilà. Je passe la soirée. Je me couche. Mon mari était en déplacement ce jour-là. Voilà. Le lendemain matin, 6h, le réveil de mon fils sonne. Et pour être sûr de se réveiller, il l'avait branché sur sa chaîne stéréo. Et ma fille qui dormait dans la chambre à côté, qui avait même pas 7 ans, avait 6 ans et demi, elle se lève, elle vient me chercher dans mon lit, me dit « Attends, je suis réveillée par le réveil de Nicolas. » Je lui dis « Va lui dire d'arrêter, il voulait regarder, se lever pour les JO. » Elle va dans sa chambre, elle revient. Elle me dit, viens voir, maman, il est vraiment bizarre, Nicolas. En fait, elle n'avait pas compris. Moi, je me lève et il était debout au milieu de sa chambre, encore tout habillé de la veille. Il avait son jogging, ses tennis aux pieds et tout. Et avant de se coucher, il avait fait une dernière fois ce truc-là. Et donc, il y avait même les traces de ses chaussures sur une chaise qui marquait les... Vous voyez, avec un coussin qui marquait les traces. Il avait attaché en hauteur une ceinture de judo que je voulais encore jeter la veille parce qu'elle prenait la poussière, cette ceinture, et me disait « Non, 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 t'y touches pas, je m'en sers pour mes élongations. » Il faisait beaucoup de sport pour s'assouplir le dos, vous voyez. Et en fait, je croyais qu'il... C'était indicible. Quand je suis rentrée dans la chambre, je ne peux même pas vous dire. C'était horrible. Mais il était debout et il y avait cette ceinture et le truc autour du cou. Incompréhensible. Il était mort depuis la veille. Évident. Donc, après, par la suite, mon fils aîné s'est levé tout de suite aussi. Il a entendu crier quand je suis rentrée dans la chambre. Et mon fils m'a dit beaucoup plus tard qu'en fait, cette ceinture, il l'avait attachée en boucle et qu'il avait juste posé le haut du larynx sur le lien pour appuyer sur ces zones-là. Et par la suite, au cours de mes conférences et tout, j'ai eu des témoignages d'adultes qui faisaient ça quand ils étaient petits. Et ils disaient tous que lorsque l'appui se fait avec les doigts des copains, ça marche, mais lorsque c'est eux-mêmes qui le font sur eux, ça marche pas. Et c'est là qu'ils prennent un lien. Donc le lien, ça peut être juste un drap attaché d'un bout à l'autre du lit superposé, et on pose juste le haut du larynx sur ce lien, vous voyez. Mon fils, lui, il avait fait une boucle et il l'avait posé. Donc, il s'est fait piéger, parce qu'il l'avait fait plusieurs fois. Et comment est-ce qu'il aurait pu savoir que l'arrêt du cœur peut se produire sans prévenir? Vous voyez, ceux qui font ça tout seuls, maintenant on le sait par les témoignages, ils approchent le malaise, mais il se défond avant que le malaise ne survienne. Sauf si le cœur s'arrête. Et ça, le cœur s'arrête, ils ne peuvent pas le sentir venir. C'est brutal. Donc vous voyez que c'est un piège terrible. Voilà. Et ils connaissaient très bien le truc, les flics. Hein. Mais quand avec mon mari, on a dit « Mais comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler de ça ?» Puisque vous dites qu'il y a beaucoup d'accidents. Ils nous ont dit « Nous, ce n'est pas notre job de faire passer l'information. » Et c'est là qu'est partie l'idée de faire passer un message aux parents. Parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi une enquête qu'on a conduite, nous, auprès des camarades de nos enfants. Et on s'est rendu compte que plusieurs avaient fait ça aussi. Hein. Il n'y avait pas que mon fils. Hein.
Donc, la police avait raison, hein, c'était très étendu. Hein. Donc, quel conseil vous sentez donner aux parents S'informer. S'informer, soit en venant aux conférences, soit en lisant notre site internet. C'est ce que disait Catherine Vince, la maman d'un petit garçon de 8 ans et demi, qui est décédé suite à la lecture d'un bouquin, qui incite à ces jeux pour les enfants. C'est fou, hein, aussi, il y a ça aussi. Et donc, elle disait, les parents qui ne peuvent pas assister à une conférence, qu'au moins, ils passent un quart d'heure, 20 minutes, à lire notre site. Déjà, ils auront une première information, une première vision, et notamment qu'ils regardent la question des signes et des symptômes qui peuvent les alerter. Voilà. Qu'ils prennent connaissance de l'existence de ces pratiques, vous voyez ? Contrairement à nous. Malheureusement, les derniers parents qu'on connaît, qui nous ont appelés, qui viennent de perdre un enfant, eux non plus n'avaient jamais entendu parler de ça. Encore aujourd'hui, en 2019, quoi. 2018, 2019. Et pourtant, ça fait quand même 19 ans qu'on est engagés, nous. Les ministres successifs ont confirmé notre alerte, ont confirmé qu'il fallait informer les parents. Les parents, depuis 2003, les ministres de l'Éducation demandent que les parents soient informés. Au moins ça, quoi. C'est pas fait, c'est pas suivi. Les consignes ministérielles ne sont pas suivies. Pourquoi ? Par peur du sujet. Par peur du sujet, parce que les personnes qui en ont peur ne sont elles-mêmes pas informées de la réalité du problème. Donc, voilà, pendant ce temps, des enfants meurent. Mais il n'y a pas assez d'enfants qui meurent. C'est ça qu'on nous répond aussi. Pas assez de morts pour que l'État réagisse de manière plus efficace. Et ça, c'est affreux d'entendre ça. Pas assez de morts. Dites ça aux parents qui viennent de perdre leur enfant. Attenzione in ogni caso a giocare con la vostra vita, perché il limite è molto sottile tra chi si salverà e chi invece no.